Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes toujours à New York où nous sommes en train d'interviewer pour vous différentes personnalités qui sont ici à New York pour cette visite du président de la République démocratique du Congo à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Parmi les gens qui sont autour du chef de l'État, c'est aussi des gouverneurs de province. Et aujourd'hui, nous avons le privilège et le bonheur de recevoir pour vous à New York le gouverneur de la province d'Ituri, Monsieur Jean Bamanissa. Bonsoir. Oui, bonsoir, Marius. Et merci beaucoup du temps que vous nous accordez. Nous savons combien votre temps est précieux ici à New York. Alors, nous ne parlons pas beaucoup de province ici dans la diaspora. Mm-hmm. Et c'est une occasion que vous êtes là pour que nous puissions essayer d'en parler, d'en savoir un peu plus, surtout le travail que vous faites au niveau des provinces, qui est généralement qu'on ne voit pas. On voit plus le travail des gouvernements centraux. Mais vous êtes en train d'abattre un travail extraordinaire sur place et nous aimerions bien en connaître le contenu. Si je vous demandais, monsieur le gouverneur, de nous parler, de nous présenter votre province, que diriez-vous ? D'abord, je vous remercie. C'est vrai qu'il faut un intérêt vers l'arrière-pays. Au lendemain d'une élection comme celle qui vient de se passer, la majorité des élus, que ce soit de la présidence jusqu'au niveau des élus locaux ou nationaux, ont été élus sur base de la majorité qui venait de l'intérieur du pays. Et donc, c'est une question importante aujourd'hui. On ne peut pas tout focaliser sur Kinshasa. Et vous voyez, moi, j'habite à Kinshasa depuis plusieurs années. J'ai été gouverneur de la province orientale entre 2013 et 2015. Et je suis revenu encore beaucoup plus profondément en province. Parce que tant qu'on ne peut pas développer notre arrière-pays, on va avoir une concentration de tout sur les grandes villes, qui Sangani avant était la troisième ville, aujourd'hui elle a perdu peut-être beaucoup. Bounia, c'est une grande ville aujourd'hui aussi, qui a 1,5 million d'habitants. La province de l'Ituri, 65 000 km², la province orientale, elle avait 580 000 km², c'était très grand. Mais aujourd'hui, j'ai une plus petite province, mais qui a autant d'atouts, bien qu'elle a aussi ses difficultés. Donc, il y a un intérêt et je vous parlerai aussi de l'avenir de toutes ces provinces, de toutes nos villes sur lesquelles nous devons penser. Nous sommes très curieux de savoir, de parler de l'avenir, notamment vos projets sur cette province. Mais revenons à vous en tant qu'ancien gouverneur de la province Grande Orientale. Oui. Moi, dans ma tête, ça reste toujours au Zaïre depuis toujours. Ouais. La province orientale. Je pense que c'est à moi de parler de votre bilan. Il est difficile de parler de soi-même. Est-ce que vous pouvez nous parler, monsieur le gouverneur, de ce que vous avez pu accomplir dans cette province qui peut donner de l'espoir à la population de l'Ituri, que puisque vous l'avez fait là, vous pouvez le faire aussi ici? Voilà, vous savez que les provinces ont des difficultés. C'est par rapport à leur capacité de mobiliser les ressources locales, par rapport à leur... Elles sont dépendantes de Kinshasa parce que nous attendons toujours les rétrocessions, en tout cas... De nos recettes sur les 40%, il y a une péréquation qui se fait, un calcul qui se fait. Mais je pense que ce que la population a apprécié lorsque j'ai été gouverneur, c'est d'apporter cet espoir à travers une gouvernance qui soit différente. Une gouvernance qui prend à cœur vraiment les questions de la population, qui n'est pas là, un gouverneur ou une toute autre autorité administrative n'est pas là pour soi-même. Mais elle est là d'abord pour répondre aux questions. Et lorsque nous nous intéressons à ces questions d'ordre général et d'ordre spécifique de nos populations, que ce soit d'abord sur leur vécu quotidien, qui doit passer par une administration saine, par une conscientisation de l'appareil judiciaire, de l'appareil administratif, de l'appareil sécuritaire de nos pays, les populations sont contentes parce que l'État s'occupe et l'État, son rôle à travers ses dirigeants, c'est de s'occuper des problèmes de la cohabitation des citoyens, du vécu des citoyens de tous les jours. Donc ça a été un plus qui a été apporté et puis très rapidement, on a pu quand même donner des petits modèles. Ça n'était pas très grand, des petits modèles des infrastructures qui devraient être réhabilitées, d'une ville propre, d'une ville organisée. Comme Kisangani, aussi on a asphalté à l'époque Bounia, on a pensé aux problèmes d'électricité, on a pensé aux problèmes d'eau qui ont pu être résolus, en partie un hôpital qui avait pu être aussi réhabilité.
Et donc, c'est ce souvenir, je crois, qui a permis à ce que j'ai pu avoir, encore quelques années plus tard, le meilleur résultat au niveau des élections. J'ai eu 34 000 voix. Le second a eu 7 000 voix dans la ville de Kisangani. Et à Bunia, j'ai été élu aussi en même temps au niveau national avec 27 000 voix. Et le deuxième avait encore moins de 8 000 voix. Alors, donc vous voyez, tout ça, c'est la population qui voit. Et c'est cet exemple dont nous parlons qui doit être donné par tous les dirigeants. Parce que le meilleur capital, ce n'est pas d'aller construire un petit pont, mais d'avoir cette volonté de pouvoir servir. D'accord. Alors, maintenant, vous avez été gouverneur dans la province orientale, maintenant Ituri. Il y a eu ce problème de découpage. Il y a eu ce problème de découpage de province. Vous avez dirigé une grande province. Aujourd'hui, c'est une petite que vous dirigez. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, monsieur le gouverneur, que c'était, par rapport aux réalités que vous avez vécues, c'était important que ces provinces soient découpées pour mieux les gérer? Écoutez, il y avait un gros problème. Lorsque vous manquez d'infrastructures, vous avez une province grande comme la France. Et sans pouvoir vous rendre à certains endroits, il se pose un problème. Donc, il est vrai que nous avons fait un effort. Nous avions les moyens de pouvoir atterrir à certains endroits. Nous avons pratiqué les routes, les motos, les pirogues. Nous avons pratiqué toutes les possibilités pour pouvoir nous déplacer. Mais c'était assez lourd. Donc, la décentralisation, ce n'était pas le découpage, comme on l'avait dit. Il fallait avoir une autre approche. Et moi, j'ai combattu cette approche de penser qu'il y avait un découpage qui prenait aussi le sens même culturel et communautaire. Non, c'était une décentralisation administrative pour pouvoir rapprocher les gouvernants. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'était une bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais par rapport à votre expérience, ouais. Ah oui, il faut pouvoir l'accompagner. Le problème, c'est de la faire, mais de pouvoir l'accompagner. Et c'est vrai que nous avons un ministère de la décentralisation, mais j'ai quelquefois dit qu'au niveau du cabinet du Premier ministre ou du cabinet du chef de l'État, il faut une personne qui soit dédiée à suivre les questions de la décentralisation. Parce que c'est un gros chantier que le président Kabila avait eu le courage de lancer et nous l'en avons félicité. Mais maintenant, il faut en faire le suivi. Il faut que cela puisse marcher. Il y a des provinces qui ont plus de capacités. Aujourd'hui, je me suis battu à l'époque pour qu'il y ait la redevance minière qui soit payée à la province et directement perçue, les 40%. La nouvelle loi minière, le code minier, l'a appliquée. Aujourd'hui, la province du Lualaba, du Katanga, se retrouve beaucoup mieux parce qu'il touche 40% de 1% de la redevance minière. Alors, et donc, c'est beaucoup d'argent. Donc 40% de 2,5% de la redevance minière, ce qui fait une rétrocession très significative. Ce problème des rétrocessions, vous en avez parlé, les gouverneurs, à l'époque. Vous continuez à en parler. Vous demandez, c'est un droit des provinces, mais on a l'impression que vous êtes en train de quémander ces 40% pour qu'ils vous soient rétrocédés. C'est à quel niveau que se trouve le problème? Écoutez, pour dire vrai, il y a la loi de la péréquation qui existe. Pourquoi est-ce qu'elle a été faite? Parce qu'il y a des provinces qui n'ont pas les mêmes capacités que les autres. Et normalement, si on devrait appliquer la rétrocession des 40% ou la retenue à la source de 40%, il y a certaines provinces qui n'auraient pas le moyen parce que le gouvernement central prend en charge l'administration, donc les salaires, de tout le personnel de l'État. Déjà, c'est une grande charge. Je peux vous assurer, connaissant les comptes de certaines provinces, que beaucoup, en rétrocédant, en ayant les 40%, ne pourraient pas subvenir aux besoins. Et puis, nous n'avons pas encore cette capacité de gestion, par exemple, de la fonction publique, de la paye de la fonction publique, pour pouvoir le rétrocéder à la province. Donc, il y a tout un mécanisme dans la chaîne de la dépense qui doit d'abord être faite, ainsi que dans la chaîne de recettes qui doivent être assurées. Et nous devions commencer à le faire par province, les plus viables, et mettre en place la péréquation. Donc, si je vous ai compris, vous me dites que cette histoire, permettez-moi l'expression,
de 40% était, c'est ça qui doit être fait, mais vous comprenez que ça ne soit pas fait comme ça devrait être l'être fait. Parce que nous ne sommes pas prêts. Parce que vous n'êtes pas prêts. Tout à fait. Voilà. Alors, on a bien compris ça. Mais non, vous êtes dans la province de l'Ituri, une province qui est riche, mais qui également a des problèmes. L'un des problèmes que cette province a connu, c'est notamment l'épidémie à virus Ebola. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Effectivement, on a eu plus de 2000 cas. On a à peu près 400 cas de décès avec le virus Ebola et qui s'est propagé à une très grande vitesse en venant du Nord Kivu, dans des zones minières. Et le virus Ebola doit être arrêté en coupant la chaîne de contact. Et donc, c'est ce qui manque encore un peu. Parce que les contacts, lorsqu'ils sont faits, ne sont pas tout à fait suivis, ne sont pas arrêtés. Parce qu'une personne peut contaminer beaucoup d'autres si elle n'est pas prise en charge. Si toutes ces personnes ne sont pas prises en charge, la maladie continue à se propager. Et donc, on a aussi, malheureusement, une pensée qui est faussement véhiculée, qui est celle de penser que c'est tout simplement une invention. Ouais. Mais la maladie existe. Mais comment vous arrivez à gérer ça au niveau de la province? Mais, écoutez, nous avons le gouverneur aujourd'hui et le responsable numéro un de la question qui touche à cette maladie. Et nous avons un comité. Nous nous réunissons deux fois par semaine. Et ce que j'ai pu faire comme changement, c'est la question de la communication. La communication n'était pas très bien organisée, en tout cas dans ma province de l'Ituri, sur ces questions de maladie de virus Ebola. Et nous avons demandé qu'il y ait une anticipation de formation, d'information sur ceux qui participent en tout cas à lutter et à faire la riposte. Et je demandais aussi qu'il y ait une plus grande attention des personnes qui sont concernées au niveau de la traçabilité de ceux qui sont en contact avec les personnes qui ont porté les maladies et les contacts des contacts. C'est vrai qu'il y a des points de contrôle, etc. Mais si nous le faisons beaucoup mieux, nous pouvons faire arrêter les contacts avec, au préalable, cette question d'éducation de nos populations qui doivent comprendre que ce n'est pas une maladie d'invention, c'est un virus qui existe et qu'il faut faire stopper. Est-ce que vous avez les moyens pour ça, monsieur? Écoutez, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en jeu aujourd'hui. Et je dis qu'il y a même beaucoup trop de moyens. Et j'ai par exemple demandé à ce que tous nos partenaires, puisqu'on parle de plus de 500 millions de dollars qui ont été mobilisés à travers les partenaires, les différents partenaires, l'OMS, les Nations Unies, les autres organisations médicales. Nous avons demandé, par exemple, en Ituri, depuis le mois dernier, qu'il ne soit plus construit des centres de traitement, les CTE, en bâche, parce que ça donne une mauvaise impression. C'est ce que on a entendu beaucoup de communicateurs en parler. Lorsque nous voyons toute cette grande armada venir pour traiter les personnes, c'est vrai que le pauvre citoyen démuni se demande pourquoi autant de moyens. Donc ces moyens devraient être pérennes. On devrait avoir les points de lavage de mains, non pas dans des seaux, mais des bonnes fontaines construites en dur. Cela pourrait être pérennisé pour que ces bonnes fontaines puissent servir. On devrait avoir des centres, construire quatre murs d'un hall qui pourrait être subdivisé avec des murs. Ça peut être construit en deux mois. On peut construire un petit centre hospitalier que de voir des bâches. Des bâches, ça nous dérange. Et j'ai demandé à tous les partenaires de ne plus construire, sauf si c'est vraiment une urgence. Mais en tout cas, tous les autres centres, nous devons justifier tout cet argent aussi qui arrive en RDC pour cette maladie. Et tout cet intérêt, c'est vrai que pour lequel nous remercions les partenaires, mais nous devons l'utiliser utilement. À part Ebola, monsieur le gouverneur, quels sont les autres challenges que vous avez pour votre province? La question de la sécurité.
La question de la sécurité aujourd'hui, vous avez vu le Nord-Kivu, beaucoup de problèmes, des groupes armés. Et nous avons aussi l'Ituri qui a été peut-être épargné. Nous avons un groupe armé qui s'appelle le FRPI, qui est là depuis 20 ans, qui continuait à décimer, mais nous avons été encouragés et nous avons eu vraiment le soutien du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui est venu nous rendre visite à Bunia le 30 juin, qui a passé 2 jours avec nous, qui s'est rendu compte de la situation d'Ebola, mais de la situation sécuritaire aussi, qui a donné un mot de réconfort et d'espoir aux populations pour dire que l'armée allait s'occuper de ces questions sécuritaires. Le premier sur le FRPI au sud de Irumu, nous avons réussi à cantonner, à pré-cantonner plus de 900 combattants qui sont bien armés et qui étaient là sur un territoire. Et aujourd'hui, ils sont dans un camp et nous sommes dans la phase pour qu'ils puissent passer au cantonnement, à la démobilisation, à la réinsertion sociale pour certains. Il y a 900 combattants avec plus de 800 dépendants, femmes, enfants. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. Ça fait un mois que nous avons réussi à les pré-cantonner. Nous nous sommes rendus sur place. Nous avons l'espoir que le schéma et le processus va aller jusqu'à terme. Nous avons dans la zone de Djougou un groupe d'assaillants, un groupe de bandits qui ont semé le désordre. Utilisé par qui ? Nous devons le savoir. Apparemment, ils sont bien ancrés chez nous. Ils ont été avant les élections, après les élections. C'est très trouble comme système. Mais il y a certainement des tireurs de ficelles qui sont peut-être des politiques ou qui sont des personnes qui visent les richesses de notre pays. Alors, quand je vous entends parler de ces groupes armés, je vous entends parler de tous ceux qui sèment la terreur dans la province, on sent quelque part dans votre façon de parler une certaine, permettez-moi cette expression, je ne sais pas si, une certaine, est-ce qu'on peut dire que vous sentez une certaine impuissance de ne pas pouvoir répondre à ces problèmes d'insécurité dans votre province? Non, écoutez, c'est vrai que dans mon programme, je savais que les questions de l'Ituri étaient surtout basées sur la sécurisation, mais je savais aussi qu'il fallait passer à une autre phase qui était celle de développement. Je suis avant tout un opérateur de développement et j'ai besoin de cette paix. Sans la paix, nous ne pourrons rien faire. Et mon travail depuis 3 mois, qui est un travail pour lequel je n'étais peut-être pas habitué, c'est de tendre l'oreille et d'écouter tout le monde, toutes les communautés, toutes les parties et même les groupes armés avec qui nous discutons. Pour, un, leur faire comprendre que l'État existe, qu'elle a des forces armées, qu'elle a une justice, que l'État est aussi, peut aussi utiliser le dialogue pour discuter avec les différentes parties, pour ramener les enfants perdus. Et dans cette partie de Djougou, nous avons malheureusement un groupe armé qui est né depuis 2 ans et demi et qui est basé sur une secte mystico-religieuse et qui endoctrine les populations, qui endoctrine les enfants, qui a été puisé, et c'est peut-être des personnes mal intentionnées qui savaient qu'il y avait cette faiblesse dans une communauté donnée, la communauté Balé, et qui a été puisé à l'intérieur de cette communauté, quelques personnes, bien sûr, en ramenant d'autres pour pouvoir violenter, en tout cas, les autres communautés, les Alours, les Emma et tous les autres qui sont autour. Et c'était une question qui nous inquiète, effectivement, parce que l'armée est là, elle combat, mais elle combat une force qui est devenue une petite guérilla qui nous empêche de continuer qui vous rend la tâche très difficile. Et nous en appelons, d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici. Demain, le chef de l'État va s'exprimer au siège des Nations Unies. Vendredi, nous avons une conférence sur la paix et le développement de la région des Grands Lacs. Parce qu'il y a de la responsabilisation, c'est vrai, de nous. Chacun dans son pays doit avoir son armée et ses forces de sécurité, des renseignements qui travaillent, mais aussi nous devons travailler ensemble avec le Sud-Soudan, avec l'Ouganda, avec le Rwanda, avec le Kenya,
le Burundi pour pouvoir trouver des solutions justes à nos problèmes. Et ces solutions doivent être celles de respecter la souveraineté de chaque pays, celles de ne pas faciliter les passages des armes, les passages de combattants dans les territoires voisins, et celles d'empêcher aussi les combattants qui sont chez nous de pouvoir passer dans d'autres pays. Vous savez, le M23, il est toujours en Ouganda, par exemple. Nous avons déployé des services de renseignement et nous savons que ces personnes sont toujours le long de nos frontières en train d'attiser le trafic. Parce que tout cela repose sur le trafic de l'or, le trafic du coltan, le trafic douanier. Il y a toute une économie de crimes qui se met en place et pour lequel nous sommes en train de travailler pour le ramener, en tout cas dans le formel, pour montrer aux citoyens qu'on peut travailler dans les secteurs formels et pouvoir progresser. Alors, nous allons peut-être finir par là, vous personnellement, avant de devenir gouverneur. Vous êtes un opérateur économique, vous continuez à investir aussi pour le bien-être des Congolais. J'ai vu dernièrement que vous avez investi dans la cimenterie, dans le Bas-Congo. C'est une question qui va avoir deux volets. Le premier volet, est-ce que c'est vous, où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise, l'homme d'affaires ou le gouverneur? La deuxième, est-ce que ce que vous avez fait dans le Bas-Congo, le feriez-vous aussi pour votre province à l'Ituri? Vous savez, j'ai lancé ce projet de cimenterie en 2004 parce que je voyais la difficulté de s'approvisionner. En 2006, on a eu un programme du chef de l'État aux premières élections sur les 5 chantiers. Mais on ne peut pas lancer des chantiers sans ciment. Et le ciment est le produit essentiel dans la construction. Donc, ma petite entreprise a fait tout le travail des études et l'acquisition des terrains de carrière et les études financières pour aboutir en 2010 à la signature d'un contrat avec une grosse société sud-africaine, PPC, ainsi qu'en 2012 avec la SFI, la branche financière de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, c'est un investissement de plus de 300 millions de dollars qui a été fait. Il y a eu deux autres sociétés de ciment aussi qui ont construit. Et aujourd'hui, il y a assez de produits pour la construction. Et je peux vous dire que nous produisons d'ailleurs bien moins que ce que nous avons comme capacité. Et nous attendons du gouvernement donc, qu'il puisse y avoir des gros chantiers pour pouvoir vraiment faire fonctionner ces usines de ciment qui est un produit essentiel. Est-ce que vous le feriez chez vous? Et vous avez vu peut-être, vous avez entendu parler de ce que nous faisons, Expo Béton RDC. Mm-hmm. Cette année, nous avons eu des conférences il y a deux semaines à Kinshasa sur un thème précis qui est celui de Kinshasa à l'horizon 2050 qui sera une mégalopole. Plus de 30 millions d'habitants à Kinshasa, dont beaucoup seront de la diaspora. Il faut pouvoir penser à cela. Il faut pouvoir construire. Voilà pourquoi l'intérêt aussi de construire les provinces est essentiel. On ne va pas tout focaliser sur Kinshasa. Et je vous invite à aller sur le site expobétonrdc.com. Vous allez découvrir toutes les questions qui ont été traitées. Et cette approche, le chef de l'État nous a demandé de l'avoir aussi pour une ville au moins, pour chacune de nos provinces, d'imaginer, de mettre en place des structures qui vont dessiner le plan de développement et d'aménagement de nos villes. Donc, nous en faisons la promotion et demain, nous serons heureux. Mais pour cela, pour faire une cimenterie, il faut faire des études, il faut avoir l'électricité, il faut avoir le produit. Le calcaire, c'est pas n'importe quelle pierre qui peut faire du ciment. Il faut avoir du gypse, il faut avoir le marché, il faut avoir les routes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le Congo central s'y prête mieux. Dans la zone de Kisangani, on a du calcaire, mais on n'a pas d'électricité. Et on ne peut pas non plus venir avec un projet d'un million de tonnes. Il faudrait un petit projet de 200 000 tonnes, ce qui est toujours très difficile aussi à investir lorsqu'il faut créer une route, il faut faire une centrale hydroélectrique. Pour une petite capacité, économiquement, ça ne se justifie pas. Dans le Nord Kivu, il y a des moyens aussi. Ainsi que dans le Katanga, il y a encore moyen de construire des usines de ciment qui peuvent servir. Donc, on devrait le faire, mais en même temps, on devrait ouvrir les voies d'accès pour que le ciment
du Congo central puisse être vendue dans un premier temps. Vous savez, le produit qui se vendait à 20, 30 dollars, 17 dollars, aujourd'hui, il se vend à Kinshasa entre 7 dollars et demi et 8 dollars et demi. Voilà une réponse que nous avons donnée. Et aujourd'hui, il se construit des bâtiments. Et nous espérons que les produits que nous faisons puissent être transportés facilement et pouvoir aller construire Goma et construire Bunia, construire Ziro, construire Bouta et construire le Kasai. Mujima et Kananga ne sont pas loin. Ils peuvent être construits avec les produits locaux. Et aujourd'hui, le chef de l'État a demandé, par exemple, que désormais les routes soient faites en béton au lieu, et ce qui coûte moins cher que de faire l'asphalte. Mmh. Voilà des nouveaux marchés qui ça, peuvent... Ça, c'était le premier volet. Le deuxième, où est-ce que vous vous sentez plus à l'aise? Écoutez, je suis un opérateur économique, c'est vrai, mais je porte toujours les deux casquettes. Lorsque je suis un opérateur économique, j'agis comme un opérateur économique. Mais lorsque je suis un agent public de l'État, j'agis comme un agent public de l'État pour faire la promotion. J'ai été président de la Fédération des entreprises du Congo. Je suis un défenseur du progrès, du développement. Et lorsque je vais en politique, j'ai été député en 2006, c'est vraiment pour mettre en place le cadre qui permette qu'il y ait un développement. Et ce cadre-là ne peut malheureusement être fait que par une volonté politique qui soit celle de favoriser l'implantation, le fonctionnement de l'entrepreneuriat congolais. Alors là, on vous le souhaite parce que vous ne pensez pas qu'à un moment, il y ait un conflit d'intérêts entre le gouverneur et... Mais lorsque vous êtes un gouverneur, vous n'avez plus droit à faire des affaires. J'ai été gouverneur en province orientale, je n'ai pas fait une seule affaire. Alors, et j'ai quitté mes affaires qui en ont souffert. D'accord. Est-ce que et aujourd'hui, j'ai quitté parce que j'ai mon fils qui a repris mes affaires. Alors, vous êtes. Et je m'occupe de la politique des citoyens. Vous êtes, vous et M. Moïse Katumbi, M. Ngoï Kassandji aussi dans le Congo central, vous avez été. On a eu cette expérience des opérateurs économiques qui ont aussi géré leur province. Mais on a aussi des gouverneurs qui n'ont jamais géré des finances ou une entreprise qui sont devenues gouverneurs de province. Est-ce que vous pensez que vous, Moïse Katumbi et Ngoï Kassandji par exemple, vous êtes le modèle de gouverneur que le Congo doit avoir, un gouverneur entrepreneur? Écoutez, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est vraiment de l'entrepreneuriat dans la gestion publique. C'est vrai que moi, j'apporte dans mon programme, par exemple, il y a la constitution du portefeuille provincial. Mm-hmm. La constitution des entreprises du portefeuille local. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut donner le go. Aujourd'hui, pour attirer des entreprises dans une province, l'État doit s'impliquer. Vous savez, un partenaire, un investisseur, il vient d'abord voir l'État. Mais je dis que si j'ai constitué l'entreprise qui appartient à 100% à l'État et qu'un investisseur vienne prendre 60%, 80% là-dedans, que ce soit dans l'hydroélectricité, dans les mines ou bien dans la logistique, les transports, je pense que l'État va mieux se retrouver, ainsi que l'opérateur économique, le partenaire en partenariat public-privé ou en BOT. Donc, c'est vrai qu'on a un retard dans notre pays qui fait que nous devons gérer nos provinces avec une capacité managériale qui ne soit pas seulement politique ni administrative, mais qui soit celle vraiment de la constitution des entreprises, mais en même temps, de pouvoir donner le cadre pour que les entrepreneurs puissent s'exprimer valablement. Je vais vous poser une dernière question avant de nous quitter. Vous avez travaillé avec le président Joseph Kabila, vous êtes du FCC, et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi qui est là, qui est un allié, qui est en alliance avec le FCC pour conduire le pays. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y aura plus de chances de réussir aujourd'hui qu'hier? Écoutez, d'abord, moi, à la source, je suis un indépendant, n'est-ce pas? Il n'y a qu'aux dernières élections où je suis allé dans un groupe politique parce que la loi électorale le voulait. Mais j'ai toujours été un allié de tous les politiques et j'ai toujours connu tous les politiques parce que je pense que
l'indépendance d'esprit et d'approche que j'ai me permet non pas de constituer des groupes d'opposition qui deviennent stériles, mais plutôt qui puissent apporter quelque chose de nouveau, en tout cas dans la constitution des structures de gestion de notre pays. Donc je me sens très à l'aise, en tout cas avec mes amis de la majorité, de l'opposition, et je suis heureux de voir aujourd'hui qu'il y ait une alliance qui puisse se faire. Et j'ai toujours dit que ce que nous devons avoir, ce sont les structures d'union nationale. Et la constitution de mon gouvernement provincial en est un exemple. J'ai le LAMUKA, j'ai le FCC, j'ai le CASH dans mon gouvernement. En tout cas, j'ai pris toutes les forces politiques, bien que je n'ai pas pris toute la communauté. Et c'est là encore le grand travail que nous avons. Il se fait dans tous les pays du monde, c'est de vivre dans la diversité. Et chez nous, nous avons encore ce problème de communautarisation que nous devons vaincre et pour lequel nous devons mettre en place une politique. Cela se passe même dans les villes comme ici, New York, où il y a plusieurs communautés, mais quand vous voyez les messages des gouvernants, c'est de voir comment est-ce que toutes les personnes qui viennent de différentes souches, de différentes couches de la vie et des différents horizons peuvent vivre ensemble. C'est ce que nous devons faire encore comme effort chez nous, entre nous Congolais et aussi à envers les autres. Donc je pense que cette ouverture aujourd'hui du président Félix Tshisekedi à l'extérieur est très positive, et le soutien qu'il a aussi du président Kabila est très positif, et que ensemble nous pouvons progresser. En tout cas, il y a rarement, dans un pays qui n'est pas encore développé, qui n'a pas encore des institutions démocratiques stables, il est rare de voir que la majorité, l'opposition, marche différemment et qu'elle réussisse. Donc, nous félicitons cette démarche et nous l'appuyons et nous l'appliquons aussi pour pouvoir développer nos provinces. On va se quitter avec cette adresse, monsieur le gouverneur, à la diaspora congolaise qui vous regarde à travers le monde. Qui voudrait bien rentrer au pays, investir dans votre province? Si j'ai de l'argent ici et que j'aimerais bien venir investir en Ituri, quel conseil me donneriez-vous? Écoutez, je dois vous dire qu'il y a peut-être une trentaine d'années, j'étais dans la zone ici, le Canada et ici aux États-Unis, je parlais toujours avec la diaspora. Et je peux vous dire aussi que je suis peut-être l'initiateur de la mise en place d'un portefeuille du Congolais de l'étranger, pour lequel j'ai beaucoup milité en 2006. Et je suis heureux que ce ministère puisse exister aujourd'hui parce qu'il permet véritablement que nous puissions nous occuper des étrangers d'origine congolaise qui ont tous leurs droits et qui ne doivent pas perdre ces droits. Et nous espérons que dans cette législature, nous allons corriger la loi sur la nationalité congolaise pour que nous puissions avoir des personnes qui se sentent chez elles, en tout cas au Congo, qui aient été d'origine congolaise et qui ont émigré ailleurs. Et c'est une force. Aujourd'hui, la diaspora constitue une très grande force. Je suis content que le vice-ministre en charge du Congolais de l'extérieur est un ami et avec qui j'ai discuté. Et je l'encourage vraiment à prendre l'exemple de pays comme le Maroc, comme le Sénégal, comme le Mali, qui ont une politique envers la diaspora qui est vraiment très bien organisée. Parce que la diaspora, nous lançons un message, vous êtes une force, vous êtes un capital pour lequel nous avons besoin. Vous avez eu la chance de pouvoir vous former dans des pays étrangers. Ça fait une génération aujourd'hui, ça fait 30 ans, 40 ans aujourd'hui. Eh bien, nous avons besoin de cette jeunesse, de cette diaspora qui a été formée et qui a peut-être des moyens pour venir travailler chez nous et développer la République démocratique du Congo et nos provinces. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.